t-shirt Rainbow pour aller avec ma bibliothèque Rainbow. Pourquoi je faisais ça, genre? Pardon, avec ma bibliothèque Rainbow, oui. Bref, bonsoir. Donc oui, quand j'ai refait ma bibliothèque, enfin je dis j'ai, mon papa a rangé ma bibliothèque. Et moi je disais tu mets là, 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 là. Et encore j'avais chaud, j'ai transpiré, donc franchement. On a réorganisé ma bibliothèque par couleur, oui. Quelle bonne idée! Quand je cherche un livre en particulier, j'y passe une heure et demie à retrouver le livre en question parce que je suis persuadée qu'il a une tranche bleue alors qu'en fait, que nenni, il a une tranche noire. Et quand il a une tranche noire, bonne chance, hein, parce que des noirs, il y en a beaucoup. Et donc, voilà, je retrouve plus mes livres. Mais donc, j'ai réorganisé ma bibliothèque, enfin mon papa, mais ouais, c'est bon, on a compris. Dans cette vidéo réorganisation que je vous mets juste là. Ou là, je sais pas. Je vous disais dans cette vidéo que j'allais vous faire une petite vidéo bookshelf tour. On est un mois plus tard et je suis là, ah oui, la vidéo bookshelf tour. Et donc voilà, je vous la fais maintenant. Petit disclaimer, petit gros disclaimer, c'est très mal rangé. Mais de loin ça fait beau, franchement je vous jure, quand je me réveille le matin et que je vois ça, je suis là, oh c'est beau. Mais quand il s'agit de chercher un livre, je suis là, oh c'est chiant. Et quand il s'agit de faire un bookshelf tour, vous allez voir que oh c'est mal rangé. Et oh il y a certains livres qui sont complètement à l'envers ou rangés n'importe comment. Franchement désolé d'avance. Et je vais faire comme d'habitude pour mes bookshelf tours, en fait je vous montre à peu près l'ensemble et après je vous montre étagère par étagère. Et je parle de quelques-uns de mes coups de cœur et voilà, je précise sur quelques livres que j'ai trop aimés ou que ce sont mes préférés, etc. Mais je vais pas vous montrer chaque livre parce que je sais que vous adorez les vidéos longues, mais à ce point, c'est non. Donc il y a cette bibliothèque, j'ai encore des livres dans mon petit coin lecture par ici et j'ai des livres encore là. Ah non mais attendez, j'ai oublié un coin. Il y a aussi un coin où il y a mes mangas et mes Stephen King et d'autres livres qui sont vers mon lit. Donc franchement il n'y a plus que mon lit qui est une surface sans livres. Et c'est juste parce que je pose mon gros corps dessus au moment de dormir. Mais franchement, de temps en temps quand j'ai plus de place, j'en mets sur mon lit aussi. Donc si bientôt vous voyez dans le journal une jeune femme ensevelie sous les livres, elle s'est étouffée, c'est moi. Voilà, bref, c'est parti tout de suite pour ce petit bookshelf tour. Coucou, c'est moi. C'était pour vous montrer une petite vue d'ensemble de mes bibliothèques. Je pense que je vais y aller couleur par couleur. Donc je vais faire ça. Oui. Vous voyez mon doigt? Comme ça, toute la couleur jusque... Oups, jusque... Vraiment, je saurais pas faire la météo parce que je sais pas comment ils font. Attendez, jusque là. Ensuite, on repart là. On fait... Jusque là, vous avez compris? En fait, c'est comme ça que j'ai trié mes couleurs, en fait, par ranger à la verticale. Non, l'horizontale, oui, l'horizon. À l'horizontale, voilà, comme ça, j'ai rangé par couleur dans ce sens-là. Donc, je vais vous montrer dans ce sens-là. Voilà. Alors, tout là-haut, même mon trépied n'est pas assez grand pour vous montrer, mais on commence avec les livres roses. On a notamment Jamais plus de Colleen Hoover qui a été un gros coup de cœur. Celui-là, je l'ai trop aimé. Il m'a fait pleurer ma vie, mais il était trop bien. Et puis, on a Red, White and Royal Blue qui est aussi un gros coup de cœur. Représentation de personnages bisexuels, c'est une romance MM sur le prince d'Angleterre et le fils de la présidente des États-Unis. Ce livre est trop cool, voilà. Juste à côté, on a cette petite étagère là, donc il y a des livres lus, des livres non lus, des livres qu'il faut que je lise. Notamment cette saga là qui a l'air super bien, donc Secret Défense d'Aimer de Axel Auclair, elle a l'air trop cool, c'était avec... une jeune femme qui travaille dans l'univers militaire. Apparemment c'est trop drôle. Il y a aussi celui-là qu'il faut que je lise, qui est trop magnifique, By the Book. Il est pas trop beau, il est trop beau. C'est avec une jeune femme qui fait que de lire des romances avec des bad boys et elle s'est jurée de jamais tomber amoureuse d'un bad boy. Sauf que devinez quoi, qui va arriver dans la bibliothèque, un petit monsieur bad boy, et elle va tomber amoureuse. Haha. On continue sur les violets. Donc on a un petit homme de la confrérie de la Dague Noire, qui est saga chouchou de tous les temps, c'est trop bien. C'est une saga bitolite, olé olé, avec des vampires. L'énorme livre que vous savez, c'est la hardback qu'il y avait chez Carrefour là, qui sont en fait en... C'est un petit peu en caoutchouc en fait le hardback. Et bref, j'ai pris le Comte de Monte Cristo, voilà, il est énorme. Et il est violet, donc et il va là. Ça c'est un livre favori de tous les temps, Strange Grace de Tessa Gratton. C'est un livre trop cool qui est dispo que en anglais malheureusement, mais qui est trop bien. Il y a une relation polyamoureuse à l'intérieur, donc avec trois personnes.
Et c'est un livre un petit peu spooky. J'aime trop, ça fait trop bien. Il y a le tome de Démonica qui m'empêche de ranger. Et donc Démonica aussi, c'est trop bien. Ensuite, encore un petit peu des violets. Et on passe au bleu. Donc j'espère que vous voyez assez bien. Parce que même moi, je suis pas assez grande pour aller choper les livres. Mais on a encore un livre qui vient de chez Carrefour, là, celui-là. Je sais pas s'ils sont toujours à Carrefour, les hardbacks comme ça. Ah, on a le Poison écarlate qui date, mais faut trop que je relise cette saga. C'était les Dark Kiss. Non mais ça vraiment, si vous êtes de cette époque, vous êtes des vrais et vous êtes des vieux. Mais c'est une saga young adulte. Non, c'est même une saga adulte de fantasy et je l'ai revue en anglais il y a pas longtemps et je me suis dit faut trop que je relise parce que c'était trop bien. C'était avec une jeune fille qui finissait en prison dans ce monde de fantasy médiéval. Je sais plus pourquoi elle allait en prison d'ailleurs. Elle devait être exécutée, mais à la place elle va être engagée comme goûteuse de poison pour le roi, donc enfin goûteuse de plat en fait, pour voir s'ils sont pas empoisonnés. Puis ils se disent qu'au pire, si elle se fait empoisonner, c'est pas grave parce que c'est une prisonnière. Et bref, elle va découvrir son mentor qui est aussi quelqu'un qui sait confectionner des poisons, etc. Et bref, ça parle de poison, alors le poison écarlate. Mais c'était trop bien comme saga, faut trop que je l'ai relise. Si on se décale ici, on a encore un petit peu de bleu. Voilà, vous pouvez voir mon favori de tous les temps. Ma saga chouchou favori de tous les temps. Oui. Chasseuse de la nuit. C'est la meilleure saga Beatlesite. Avec des vampires et Enemies to Lovers. Ah oui, celui-là aussi. J'arrive pas à les choper, je suis trop petite. Et vous voyez, quand je vous dis qu'il y a certains livres qui sont à l'envers, je ne rigole pas. Donc Someday Someday de Les Mascottes aussi, c'est un gros coup de cœur. C'est une romance MM. C'est une romance contemporaine par contre, pas du tout de fantasy. Donc on va passer à l'étage du dessous comme ça. Mais on va repartir de l'autre côté. Je suis à la bonne hauteur et mon trépied aussi. Donc du coup, vous pourrez voir les livres. C'est hyper magnifique. Les Merci Thompson aussi, qui est une saga Beatlesite de qualité. De qualitat, vraiment, que j'adore. Avec cette jeune femme qui peut se transformer en coyote. Et son voisin est un loup-garou. Elle est mécanicienne, elle est hyper badass. Et il va se passer plein de trucs chelous dans sa ville. Et donc elle va combattre des créatures surnaturelles et... il va se passer un truc avec le voisin qui est loup-garou, hein, vous vous en doutez, et c'est trop bien. Les loups de Riverdance aussi, il faudrait que je commence cette saga. Ça a l'air trop bien. À cet endroit-là, j'ai dû commencer à mettre les livres dans ce sens-là, parce qu'en fait, pour mettre le plus d'étagères possible dans ma Billy, j'ai dû faire des étages de poche. Donc quand je rangeais pas par couleur, ça allait, parce que je pouvais mettre des livres de poche. Mais maintenant que c'est par couleur, voilà, je suis obligée de les mettre dans ce sens-là. Summer of Salt, trop ma vie. C'est un de mes favoris, c'est un livre en anglais. FF, donc une relation entre deux filles. Vous voyez qu'il y a des livres à l'envers? Voilà, il y a des livres à l'envers. Hop, étagère suivante. Que vous dire, encore des livres que j'ai à lire, hein, Le Royaume Assassiné, Birthday Girl de Penelope Douglas. C'est une romance contemporaine, olé olé, avec, je crois, une jeune fille qui a un petit ami, mais qui en fait va sortir avec le père de son petit ami. Franchement, trop hâte pour le drama. Ouais, que des livres que je dois lire. Kaleana, faut que je m'y mette aussi, n'est-ce pas? Oui, je sais. Et encore des petits poches, je vais vous rapprocher si vous pouvez voir les titres. Oh, on a Outlander. Oui, j'ai Outlander en anglais. C'était du temps où je regardais la série, j'étais trop fan. Je suis toujours fan de la série, mais j'arrive pas à lire les livres. Ensuite, étagère suivante. Donc on a mes deux petites cartes qui sont... c'est les cartes de Shatter Me. C'est Juliette et Warner dans Shatter Me, la saga c'est insaisissable. En français, on a un tome de After, on a des romances contemporaines de Emma Green. Et Autobiographie qui était trop bien, je le recommande tout le temps. C'est un young adult MM contemporain qui est trop cool. Là on a des livres de Solane Kennedy, mais franchement maintenant que c'est rangé par couleur, c'est un peu... J'avoue que c'est Portnawak, par exemple, là c'est le tome 2 de Shatter Me, donc insaisissable en français, et voilà, il est là. Il y a des tomes de Sloane Kennedy, c'est ma queen, c'est la queen du MM, romance olé olé MM contemporaine, et qui est trop bien, j'aime trop. Cette saga Beatlesite aussi, elle était trop bien, Fièvre Noire et les chroniques de Makayla Lane, de Karen Marie Moning, c'était trop cool. Jusqu'au tome 5, après ça sert plus à rien, mais c'était trop cool. C'est des petits autocollants que Iman elle m'avait envoyé parce qu'elle était allée à la convention, enfin une convention livresque où il y avait Charlie Cochet, donc l'autrice de la saga Thirds, que j'ai en anglais là, mais qui a été traduit chez MXM Bookmark. Donc c'est une saga MM, fantasy, parce que, enfin fantastique, parce qu'on a des métamorphes en fait qui sont dans une équipe de policiers.
Et bref, ils peuvent se transformer en animaux. Et donc leur équipe, c'est Destructive Delta. La saga Third, c'est un gros coup de cœur, j'aime trop. On a Shatter Me. Cette saga-là, faut vraiment que je la finisse. C'est la saga qu'il y a avant Dance of Thieves. Ça aussi, il faudrait que je lise Cybelle, Sybille de Valentine Lalande. Il me semble qu'il y a de la représentation pour une fille en surpoids, je crois, à l'intérieur. C'est un young adulte contemporain. On redescend encore d'un cran et on a des livres bleus. Le gros livre Australia, en fait, c'est un livre qui est rempli d'autrices de romances américaines, en fait. Elles ont fait cette intégrale pour quand il y avait eu les incendies en Australie. Faut trop que je lise Les fiancés de l'hiver, donc le tome 1 dans la passe miroir de Christelle Dabo, j'ai trop hâte. Ensuite ici, on a mon petit mug avec les petits chiens que j'ai eu à Primark. Et quand vous le tournez derrière, il y a les petites fesses des petits chiens. C'est trop drôle. Et j'ai mis tous mes pins à l'intérieur. Voilà des petits pins que j'aime bien. Ça c'est Tea Turtle, c'est le site internet sur lequel j'achète mes t-shirts livresques. Au niveau des livres, encore des trucs que je dois lire, par exemple la saga de Cruel Prince, il faut trop que je la lise. Vous-même vous savez, Birthday c'était un gros coup de cœur de Meredith Rousseau, il est sorti en français récemment chez PKJ. Je vais pas vous le sortir parce qu'il est il est squishé là, si je le sors je le rentrerai plus jamais. C'est un peu bizarre ça comme expression dit comme ça, Pardon, désolée. Mais il est sorti en français, je vous le conseille. C'est un roman sur une jeune femme trans. Et il est juste magnifique. Mon accro blanc, vous-même vous savez, je le mets dans toutes mes piles à lire. Pour les challenges, pour lire un graphique. Ou lire une adaptation, enfin un truc qui a été adapté en film. Parce que je trouve jamais, à part celui-là, je l'avais acheté parce que c'était un hardback qui était joli. Vous entendez? C'est un hardback. Et je le lis jamais, oui. On a Le Chant d'Achille de Song of Achilles que j'ai en anglais, qu'il faut trop que je lise parce que ça a l'air juste trop bien, mais j'ai juste pas envie de pleurer. Donc je suis jamais dans le mood pour pleurer ma race. Donc celui-là, le livre, il était trop cool. Je l'ai lu en anglais, We Contain Multitudes, de Sarah Enstra. Et c'était deux jeunes garçons qui s'envoyaient des lettres au lycée. Et bref, ils sont tombés amoureux et c'était super bien comme livre. Ici, on commence à être dans les turquoises. J'ai mis Sorcery of Thorns ici parce que je l'aime trop. Et j'avais envie de le mettre là parce que les typas magnifiques, feux d'artifice, regardez comme ils brillent. C'est trop beau. Poil aux abdominaux. Bref, c'est trop cool. Si jamais vous voulez le lire, il est sorti en français chez Bragelonne dans leur collection Big Bang. Un tome d'After. Scrap Metal aussi, c'est un roman de chez Hugo Roman qu'il faut que je lise. Un roman de chez Hugo Roman, oui. qu'il faut que je lise, il me semble que c'est un mélange entre de la romance et du thriller un petit peu suspense. On a Le Poids des Sentiments, c'est un gros coup de cœur, je l'aime trop. Une romance MM avec ce garçon Henry qui est en surpoids et j'adorais, c'était trop bien. Ici on arrive dans les verres, donc qu'est-ce qu'on a? On a le tome 2 de The Cruel Prince qu'il faut toujours que je lise. Oh, vous voyez mon petit badge? C'est un petit badge avec un panda roux que j'ai eu sur le site de Zaka, c'est une illustratrice, il est trop mignon, bref, il reste là. Heartless de Marissa Meyer qu'il faut que je lise aussi, ça a l'air trop bien. The Fifth Season aussi, de N.K. Jemisin qui est de la fantasy adulte en anglais, sauf que je pense que ça va être hyper compliqué. Par contre j'ai entendu qu'il y avait une relation polyamoureuse à l'intérieur et que vraiment c'était The Fantasy, que c'était trop bien, mais j'ai trop peur de rien comprendre en fait. La saga Graceling de Christine Cachor que j'ai racheté. En fait j'ai racheté ces tomes en anglais parce que les couvertures sont magnifiques. J'ai toujours pas le tome 3, je trouve pas avec cette couverture, mais j'aime trop les nouvelles couvertures. Je crois qu'il a été traduit en français, il s'appelle aussi Graceling. Et je sais plus qui l'a traduit, mais c'est disponible, c'est de la fantasy young adulte. Encore des livres verts, vous êtes étonnés. On a le tome 3 de Prince Captif tout là-haut. Dois-je vous redire qu'il faut lire Prince Captif? Non? Oui? Bon bah voilà, il faut lire. On a un tome d'After, encore plein de livres que je dois lire. The Gilded Wolves, ça a l'air trop bien aussi. C'est un livre en anglais que j'ai reçu à Noël, il a l'air trop cool. Et voilà, des livres verts. On continue dans le vert, encore un tome d'After, vous êtes ravis. On a le premier tome de l'intégrale des Bridgerton, donc des chroniques de Bridgerton chez J'ai lu. Voilà, le tome 1 et le tome 2, pareil, il faut que je lise cette saga. Ou que je regarde la série Netflix avant, je ne sais pas dans quel ordre, mais en tout cas, il faut que je fasse ça. Le Roi Serpent, qui est à l'envers, mais qui est quand même un livre que j'ai adoré, de Jeff Zentner. Chez PKJ, il date, mais je l'avais découvert il n'y a pas longtemps. Et il m'avait fait trop pleurer ma vie. C'est un roman contemporain,
triste. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Vous vous souvenez de la saga Promise de Ali Kondi? C'était au moment de la dystopie où il y avait tous les Hunger Games, compagnie divergente, vous connaissez. Et là, c'était aussi une dystopie où l'amour avait été banni, je crois, un petit peu comme dans Delirium aussi. Vous connaissez Delirium, je vous le montrerai plus tard. Pareil, c'est de la dystopie. Ou bref, l'amour ici était commandé, en fait. C'était que la jeune fille devait épouser un garçon en particulier parce que c'était celui-là qu'elle devait épouser. En fait, les couples étaient mis ensemble par le gouvernement et tu devais épouser ce type-là parce que t'es obligé, en fait. Et bref, la jeune fille, elle va sauver le monde et détruire le patriarcat à elle toute seule. Et c'était trop bien. C'est le tome 1 de Wicca en anglais. Enfin, c'est plutôt le tome 1, 2, 3, mais c'est le premier intégral de Wicca en anglais et c'est toujours une saga super, je vous le redis. Voilà. Et donc on passe au jaune. Am I No More Yet de Holly Bourne. Je l'ai reçu de la part d'une abonnée, d'ailleurs merci si tu passes par là. Et il me semble qu'il y a de la représentation pour une jeune femme qui a de l'anxiété dans celui-là. Ce sera moi de Lilali aussi, c'est... sur une jeune femme qui veut devenir idole de la K-pop mais qui est grosse en fait. Elle va réussir à se faire sa petite place et tout, c'est chez Hachette, ça a l'air trop bien. Cette saga là de Sloane Kennedy, c'est une saga avec des cow-boys. Tous ces petits livres que vous voyez là derrière ça. Hop, voilà. Ceux-là là, une saga de cow-boys et genre... Je sais, ça a l'air nul dit comme ça mais c'est trop bien. De toute façon les Sloane Kennedy, voilà, c'est tous des romances contemporaines, MM. Très olé olé, avec un peu d'action et de sentiments, et il y a tout ce qu'il faut à l'intérieur. Dans ce tome 5, il y a de la représentation pour personnes en dépression et avec de l'anxiété. Et j'ai pleuré ma vie quand j'ai lu ce tome 5, bref, c'est trop bien. Encore la passe miroir que je dois toujours lire, oui oui oui. Pareil, vous le connaissez celui-là? Oui. Depuis le temps qu'on doit le lire, que je dois le lire et que je dois me faire une lecture commune avec Pauline de la chaîne Bookin, on s'était dit... viens, on le lit en lecture commune. Comme vous pouvez le constater, on le lit pas du tout. Il est toujours là. Ensuite, on arrive un petit peu plus sur les dorés et les oranges. Donc au niveau des dorés, on a Sous un ciel d'or. Je sais pas si vous le voyez ici. Vous le voyez pas. Je vais enlever ça. Vous le voyez ici, Sous un ciel d'or. C'est une nouveauté de chez PKJ. C'est un roman young adult qui se passe au temps des années 1920. Donc les années folles, les années Charleston. Et ça a l'air super bien. Strange the Dreamer de Lainey Taylor, c'est... comment ça s'appelle en français? Le faiseur de rêves, faut trop que je le lise. Pareil, Eleanor and Gray, London and Chef, faut trop que je lise ces livres. Ça a l'air d'être des romances contemporaines super bien. Donc voilà, encore des livres à lire. Et puis on arrive ici sur les livres un peu plus rouges, n'est-ce pas? Encore des livres super bien que je dois lire. Tout ici, là, Felix Ever After, c'est un livre avec un personnage trans... qui a l'air trop cool. Crescent City de Sarah J. Maas, pareil, trop envie de le lire, mais De Saxus traduit plus vite que son ombre, ils vont le sortir, et donc je vais le lire en français avant, en parlant d'eux d'ailleurs, ça aussi c'est De Saxus. Et The Bone Season, il est à l'envers, mais il faut vraiment que je le lise aussi. Qui a l'air trop bien. Ça, c'était un petit livre jeunesse que j'ai acheté, parce que le titre était rigolo, il y a écrit Billy le blaireau, son enlèvement presque réussi, mais finalement raté. Ici, il y a écrit Des enfants méchants, blaireau héroïque, lama inquiet, lama moins inquiet. Franchement, je trouve ça trop trop. Truffe à odorat hautement développé, pattes courtes mais ravissantes. Il est trop trop. Bref, voilà, ça m'a fait trop rire ce livre, donc je l'avais pris. Voilà, vous savez tout. Et encore des livres rouges, êtes-vous étonnés, non? On a le tome 1 de la saga La Confrérie de la Tague Noire, dont je vous parle depuis tout à l'heure. Cette bitolite avec des vampires. Et on a le tome 1 de Démonica dont je vous parlais tout à l'heure aussi, qui est sur des démons. C'est en fait une chasseuse de démons et un démon qui vont finir ensemble. Oui, c'est trop bien. Oh là là, la saga Frisson, est-ce que vous vous souvenez? De Maggie Stiefwater. Faut vraiment que je relise cette saga. Tout le monde en reparle en anglais et dit que cette saga était trop bien et qu'elle est toujours trop bien. Et donc j'ai trop envie de relire. Là, j'ai la petite version du livre de poche que j'ai acheté, je vais vous dire quand. En 2009. Des romances, Hugo Roman, que je dois lire. Aussi. Et là il me semble que c'est le tome 2 de Half Bad de Sally Green qui a écrit Les voleurs de fumée que j'ai adoré. Et faut trop que je lise Half Bad parce que apparemment il y a une relation MM je crois à l'intérieur et genre trop hâte, donc faut trop que je lise. On continue sur les livres rouges, toujours la passe miroir que je dois lire, oui. Au-dessus on a la suite de Mercy Thompson, pareil, qui est trop bien. The Fire, c'est la saga. The Elements de Brittany Cherry, c'est le tome 2 qui est trop bien aussi. Et encore des livres que je dois lire, Grisha, Cemetery Boys.
Mais vous savez, c'est Mettery Boys, il y a un personnage trans à l'intérieur. Ensuite, ici, on a les livres un petit peu beige et marron avec ma petite tasse que, pareil, j'ai trouvé chez Action. On a le tome 4 de The Elements de Brittany Cetcheri ici, que j'ai lu récemment. Je crois que je l'ai lu l'année dernière et ça a été un coup de cœur, il était trop bien. Sachant que chaque tome est indépendant, donc vous pouvez lire ce tome-là sans avoir lu les autres. Le début de Akotar, le tome 1 et le tome 2 de Akotar en français. Et le tome 3, il est juste à côté. Voilà. Ici, dans les livres noirs, donc on commence avec les livres noirs. Ma première édition des Étoiles de nos 7, parce que j'en ai 40 000, donc là c'est une des 40 000 éditions des Étoiles de nos 7, oui. Dont le livre 1 qui date de Mathusalem, c'était quand il était sorti la première fois, je l'avais acheté. Et bref, c'est une saga young adult fantastique, un petit peu à la Twilight, mais avec des loups-garous. On a la saga Lux de Jennifer Larmont, qui paraît est une saga à la Twilight qui est bien mieux que Twilight, et j'aime trop, c'est un Enemies to Lovers aussi, j'aime trop, c'est trop bien. Cette saga-là, Jeux interdits de Emma Green, en fait, je la compare à la saga, si vous connaissez, d'Emily, The Dimension, I Love You, je vais vous les montrer dans le livre blanc, qui est en fait une romance entre demi-frère et demi-sœur. Bon, ils ont aucun lien de parenté, mais genre leurs parents se sont remariés, vous avez compris. Et c'est une saga pareil, Enemies to Lovers, ils peuvent pas du tout se saquer au début et c'est vraiment trop bien. J'ai trop aimé cette saga. Récemment j'ai lu Magic aussi, qui est une saga Bitolite de H.V. Gabriel que j'ai beaucoup aimé, je voulais chroniquer en vidéo il y a pas longtemps. Il y a du MM à l'intérieur et il y a des enquêtes, tout ça c'est trop bien. Psy Changeling, Lazy aussi, c'est une saga Bitolite qui est trop cool avec des métamorphes. Et des humains modifiés, elle est psy, donc c'est-à-dire que ce sont des humains qui ressentent pas d'émotions et qui sont assez robotiques et tout ça, et ils sont ennemis avec les changelings qui sont des humains métamorphes. Et bref, ils vont devoir travailler ensemble, c'est un Enemies to Lovers, et ils vont se retrouver ensemble comme vous pouvez le voir sur la couverture. On a toute la suite de Psy Changeling, en fait je m'en rappelle que jusqu'au tome 3. Il y a mon thermomètre aussi, c'est pour voir combien il fait dans ma chambre et combien il y a d'humidité pour voir si c'est pas dangereux pour mes livres. Je savais c'était quoi les chiffres, je crois qu'au-delà de 60% d'humidité c'est trop. Donc là on est à 40 et ça va. Et au-delà de je sais plus combien de degrés c'est pas bien non plus, mais bon ça va, il fait 20 degrés, ça va. Bref, Psy Changeling je m'en rappelle que jusqu'au tome 3. Et vous pouvez voir que j'ai jusqu'au tome 9 mais je m'en rappelle absolument plus, je crois que je les ai pas lus. Voilà, on a la saga Charlie Davidson que j'ai relu récemment, je me suis arrêtée au tome 9. Vous pouvez voir mon marque-page. Parce que la saga a vraiment décliné et la fin est pas trop top. Mais le début est trop bien. C'est la meilleure saga Bitolite ever aussi. Avec une jeune fille qui est détective privée et qui voit les fantômes. Et elle est trop drôle, Charlie, c'est trop bien. Et ici, on a des livres que je dois lire aussi. Voilà. Ensuite, ici. Avec ceux-là, on a rigolé avec mon papa parce qu'on s'est dit on les met où. Et on a fini par les mettre dans les livres noirs alors qu'ils sont complètement colorés. Mais bref. Ne dites rien. Ici c'est le tome 1, donc We Set the Dark on Fire, j'arrive pas à le sortir parce qu'ils sont hyper serrés. Et le tome 2, We Unleash the Merciful Storm, qui juste, j'ai bien aimé les couvertures, voilà, je sais pas du tout de quoi ça parle. Je vous parlais tout à l'heure de Delirium aussi, qui est une saga qui date et qui est une dystopie où il n'y avait plus le droit à l'amour ou je sais plus quoi, l'amour était régulé et ce livre m'a fait pleurer à la fin, c'était un truc de malade, mais j'étais encore petite à cette époque. Je suis pas sûre que je repleurerais maintenant, mais à l'époque franchement c'était le pire plot twist de toute ma vie, cette fin de tome 1, donc voilà. J'en peux plus. Encore des livres noirs, vous êtes ravis. C'est ça la saga Wicca. Là c'est le tome 2 parce que le tome 1 il est encore rangé, je sais pas où. Je vous ai dit que c'était mal rangé. Mais bref, c'est cette saga là. C'est ça. Et c'est trop bien. Voilà. Avec des sorcières et des sorciers et de la Wicca et c'est trop bien. Le tome 2 de Delirium que j'ai jamais lu du coup. Cette saga là c'était trop bien d'année là. C'était une saga gothique. Bon, en fait les couvertures étaient assez gothiques et j'aimais trop ces couvertures, elles sont trop trop belles. Et c'était cool à l'époque. Le livre que vous voyez tout au bout qui s'appelle Be Mine, c'est un livre standalone avec un biker et c'était trop cool. Je l'avais trop aimé ce livre là aussi. Encore des livres noirs, oui. On a la suite de la saga de J.R. Ward, donc La Confrérie de la Dague Noire, mais en grand format parce qu'il les sortait d'abord en grand format et après en petit format. J'avais pas la patience d'attendre, donc je les prenais en grand format. Le gros livre de Diviners, c'est un livre en anglais. C'est un livre que les Américaines aiment beaucoup. Je crois que ça se passe dans les années 1920 aussi, les années Charleston. Et il y a une sorte de fantôme, etc. Mais ça a l'air bien. Ici j'ai mis mon petit gros coffret des chroniques lunaires en anglais qui m'a été offert par ma sœur à Noël et avec les nouvelles couvertures qui sont trop trop belles, ces couvertures là.
C'est les paperbacks. Vous voyez comme elles sont belles les couvertures. Et bref, faut trop joli cette saga aussi, ça a l'air trop bien. Et donc derrière, vous voyez, oh là là, les meilleurs livres de tous les temps. Excusez-moi. Il y a Paradise et Irrésistible Attraction, Irrésistible Fusion. En fait, il manque Irrésistible Alchimie, qui est le tome 1 de Simone Alkeles. C'est une saga jeunesse que je lisais dans le temps quand j'étais adolescente et c'était trop bien. Et récemment, j'ai relu le tome 1, c'est pour ça qu'il est plus là. C'est parce qu'il est sur mon bureau. Et c'est une saga trop cool, c'est un enemies to lovers en fait. Le tome 1, c'est une relation entre une jeune fille blanche et riche et blonde, aux yeux bleus et privilégiée, et un garçon mexicain qui fait partie d'un gang et tout. C'est la meilleure saga. Et tous les livres de Simone Alkeles sont trop cool, c'est pareil, c'est toujours sur le thème du bad boy mexicain et c'est juste trop bien. À côté, on a Twilight. Vous-même, vous savez, ce qui m'a lancée dans la lecture, hein, vraiment, c'est quand j'ai découvert le film Twilight et après j'ai commencé à lire les livres. J'ai commencé par le tome 2. Donc c'est le premier livre que j'ai lu ever. Enfin, en dehors des livres de l'école, vous-même, vous savez. Mais donc ce livre-là, le deuxième, c'est le premier livre que j'ai lu de toute ma vie. Je suis chouque, hein, vraiment, voilà. C'est Twilight. Ah, on a le tome 1 de Wicca, il est là. Il était là, en fait, quand je vous dis que c'est mal rangé. Cette saga trop cool, là, Rouge Ruby, Bleu Saphir et Vert Émeraude. Récemment, ils ont repassé les films à la télé. D'ailleurs, hier, on était en train de regarder le dernier film avec mon papa. Et ouais, ils ont fait des films de ce livre. Je trouve que les films sont beaucoup plus jeunesse. Et beaucoup plus cucu la praline que les livres, mais ils étaient sympas quand même. Et en fait, c'est une saga qui a été écrite par une Allemande, donc c'est une saga qui est allemande à la base. C'est sur une jeune fille qui va découvrir qu'elle peut voyager dans le temps, et donc il va y arriver plein d'aventures parce qu'elle va pouvoir voyager à plusieurs époques et tout. Et c'était trop trop bien, j'aime trop cette saga. Terreur à Smokolo aussi, j'avais adoré, c'est un petit livre jeunesse, un petit peu spooky, mais qui est trop mims et qui est trop cool à lire pour Halloween. Ensuite, ici, encore des livres noirs, vous êtes surpris. La plupart que je dois lire d'ailleurs, que je n'ai toujours pas lu, des livres en anglais, des livres en français, des romances en anglais que je dois lire. Je vous laisse un peu regarder les titres. Ici, encore des livres noirs. Et encore des livres que je dois lire, oui. Gods of Men, il a l'air trop bien. C'est un livre hardback qui a été sorti par une maison d'édition française, une toute petite maison d'édition. Mais on m'a dit que c'était de la fantasy young adulte et que c'était trop bien. On continue dans les livres noirs et les livres que je dois lire, hein, n'est-ce pas? Legendborn, ça a l'air trop bien. C'est un livre en anglais qui n'a pas encore été traduit parce qu'il vient de sortir aussi en anglais. C'est un livre qui parle de la légende arthurienne et une fantasy young adulte avec une jeune femme noire. The Invisible Life of Addie LaRue, il va être Addie LaRue. Je dis comme les américaines maintenant, Addie LaRue. C'est Addie LaRue. Il va être traduit chez Lumen. C'est tous des livres ça qui m'ont été offerts à Noël et qui ont l'air trop bien en anglais. Encore des livres noirs, mais qu'est-ce que Les Brumes de Cendrelune, tiens, je dois trop lire aussi cette saga chez J'ai lu, qui est de la fantasy young adulte, aussi de la romantasy, j'ai trop trop hâte. From Blood and Ash, qui m'a été offert par Olivia et qui a l'air trop bien, c'est le nouveau Akotar. Je pense qu'il va vite être traduit en français celui-là, je le sens qu'il va bientôt sortir, qu'elle va bientôt sortir cette saga parce que le tome 3 est déjà sorti et c'est le nouveau Akotar. À mon avis, ça va bientôt sortir en français, mais j'ai trop trop hâte de lire ça. On a encore une édition des Étoiles de Nos Head avec les tranches qui font un dessin là. Il y a un petit loup avec une jeune fille sur le loup. Oui, je vais encore vous parler de Wolfsong, laissez-moi tranquille. La saga de T.J. Clune, donc, qui a été traduite en français chez MXM Bookmarks, ça s'appelle Le Chant du Loup. Et alors, si vous aimez pareil Twilight, les sagas un petit peu young adulte avec du fantastique, des loups-garous, tout ça, mais que vous voulez une version un peu plus adulte, franchement, allez-y pour celui-là. C'est un livre qui est hyper poétique et hyper. Qui vous prend aux tripes en fait, qui est hyper sentimental. Je sais pas comment vous dire autrement. Ça vous fait rire, ça vous fait pleurer, c'est juste magnifique, c'est trop beau. Il y a une relation MM, il y a plein de représentations LGBT de toute façon à l'intérieur de ce livre. Et avec des loups-garous, et c'est juste magnifique, trop bien, trop cool. Lisez cette saga, merci, bisous. Ici, on commence un peu à avoir des livres gris, donc du coup, j'ai mis ma petite tasse grise de chez Action, encore. C'est encore Action. Il y a encore des livres que je dois lire, absolument. Une Braise sous la cendre, Iscari, c'est le genre de livre que faut vraiment trop que je lise. Axios, pareil, il me semble que c'est un petit peu comme le chant d'Achille. C'est un truc qui se passe à l'époque des Spartiates. Et c'est du MM et c'est triste apparemment. Donc trop hâte de pleurer, voilà. Oh mon dieu, mais vous voyez ce que je fais? Vous voyez? Comme j'ai... Vous avez vu ça? Cette horreur? Vous avez vu? C'est pour ça
ça que je veux pas sortir les livres là, parce qu'après je leur fais du mal là. Et donc ici on passe des livres un peu gris aux livres blancs, donc voilà on a des illustrations. Il me semble que ton pseudo c'est Color Océa qui me les a envoyés. Et encore merci pour ces magnifiques illustrations, elles sont trop belles. Ici on a les voleurs de fumée dont je vous parlais tout à l'heure, de Sally Green, qui est une fantasy young adulte à la Game of Thrones, mais en young adulte. Et c'était trop bien. La saga de Foxhall Court, faut trop que je lise, c'est All for the Game, la saga. Pareil, c'est du MM. Cette petite tasse avec une côte de T.G. Clune dessus que j'ai eue sur Redbubble, je crois, avec plein de petits... petit marque-page dedans. Ma petite tasse avec une petite licorne. Et encore des livres blancs derrière. Pareil, je vous laisse regarder les titres. Il y en a que j'ai lus et il y en a surtout que j'ai pas lus et que je dois lire. Oui, madame. Et puis, on arrive tout en bas. Donc, j'ai repris ma caméra à la main parce que c'est tout en bas de ma bibliothèque. Donc, on va faire la dernière ligne comme ça. Avec encore tous des livres blancs. Donc, on a Birthday que je vous ai montré tout à l'heure qui est sorti en français. Qui est trop bien. Shades of Magic de Vichwap, faut trop que je lise aussi. Et là on a le tome 3 de Halfbad qu'il faut trop que je lise aussi, je vous en ai parlé. Voilà, Reasons to Stay Alive de Matt Haig. C'est un livre sur la dépression et l'anxiété en anglais qu'il faut aussi que je lise, qui a l'air trop cool. Ici, je vous parlais tout à l'heure de la saga d'Emily, donc Did I Mention I Love You chez PKJ, qui était pareil, une saga qui est sortie il y a un bail de temps, mais une saga romance young adulte avec un demi-frère, une demi-sœur, Enemies to Lovers, tout ça, j'avais trop aimé à l'époque. Encore des livres blancs et un livre un peu vert que je savais pas où mettre. Je l'ai mis dans les blancs. Voilà, on a quelques romances de Noël qu'il faut que je lise aussi. Le livre Ella Tsoe, ici. C'est un livre sur les natifs d'Amérique avec une jeune fille qui peut voir les fantômes, ça a l'air super bien. Des petites romances de Noël. Par-ci, par-là. Ici, c'est la suite de Did I Mention I Love You. Il me semble que c'est le tome 1 sur le point de vue du mec. Et donc, je l'avais acheté parce que j'avais trop aimé la saga. Des petits graphiques que j'avais trop aimé aussi chez Kiun, qui étaient comme ça, l'étant retrouvé. C'était sur un petit papy et une petite mamie qui retrouvaient l'amour à l'âge de 70 ans, je crois, un truc comme ça. Et c'était trop mince. Ici, on a Nevernight, la vie. C'est mon tome en paperback que j'ai reçu en service presse. C'est donc de la fantasy adulte, trop cool, j'ai trop aimé, j'ai adoré ce bouquin, j'attends le tome 2 aussi. Et encore des livres blancs dont un Brandon Sanderson, ici c'est le tome 1 de Fils des Brumes je crois en anglais. Et puis enfin en tout dernier, je sais pas pourquoi ça s'est fait comme ça mais ils se sont retrouvés là parce qu'ils étaient blancs, c'est les chouchous. C'est Taïe Zane, vous-même vous savez, donc c'est la saga Cut and Run de Madeleine Urban et Abigail Roux. C'est du MM policier, c'est romance, saga favorite de tous les temps, Enemies to Lovers avec deux flics, je les aime trop, c'était trop bien. Tout la saga est sur le même couple, ça, il y a 9 livres, comme vous pouvez le constater, je sais même plus s'ils sont trouvables ou pas sur internet, je pense que vous pouvez les avoir quand même en e-book. Parce qu'il me semble que les autrices ont repris les droits. Je sais pas si vous pouvez toujours les trouver, mais c'est juste saga favorite de romance MM. Je les aime trop, j'aime trop Taïe Zane, c'est mes bébés, voilà. Et on a l'intégrale des Ombres de la Nuit de Cressley Cole, la première intégrale. Le tome 1 était tellement problématique, j'étais chouque, mais après ça allait mieux. C'est une saga bitolite qui date de l'an 40. Et j'ai trop envie de me refaire les intégrales, mais bon, j'ai que la 1. Donc je vous montre vite fait ce qu'il y a un petit peu sur ma commode ici. Donc déjà j'ai des fan art de Akotar parce que bon, là c'est Nesta. Je l'ai eu avec quand j'ai commandé ma dust jacket pour Akko ce feu. Donc A Court of Silver Flames. C'est un poster que j'ai eu sur Redbubble qui est censé représenter la cour de la nuit. Vous-même vous savez, ici aussi. Et ici, c'est une petite carte des étoiles que j'ai eu chez Mappyful. Voilà, et j'ai écrit Velaris, tout ça, pour que ça fasse penser à Akotar. Et donc ici, on a une des versions des tomes d'Akotar que j'ai. En fait, j'ai pas assez de hardback. En fait, là, vous voyez, j'ai les tomes en hardback. Et dessus, j'ai mis ces couvertures que j'ai achetées sur The Bookish Box, qui sont des couvertures alternatives qui ont été faites par une illustratrice. Voilà, ça, c'est le tome 1, tome 2, tome 3. Et donc ici, c'est Akko ce feu. Et j'ai acheté la couverture sur une boutique Etsy qui s'appelle Stars That Dream. Voilà, elle avait fait cette couverture pour que ça aille. Normalement avec les autres, je sais pas si... Enfin si, c'est la même en français, où on voit juste le personnage comme ça de Feyre. Et donc j'ai pas assez de hardback pour mettre, vous voyez, ceux qui vont avec. Parce que je les ai aussi, les couvertures originales. Mais j'ai préféré mettre ceux-là dessus. Enfin bref, vous avez compris. C'est l'édition spéciale de Akotar aussi, c'est le tome 1. En hardback comme ça, magnifique. Ici j'ai A Curse So Dark and Lonely, je sais pas. Ah oui, ici parce qu'il est de toutes les couleurs donc je savais pas où le mettre.
En dessous, j'ai la nouvelle qui vient après le tome 3, donc A Court of Frost and Starlight, que j'ai en paperback. Et en dessous, j'ai A Cause of Feu, donc Court of Silver Flames, en néerlandais, parce qu'en fait, il y a des fan art à l'intérieur. Voilà, quand vous ouvrez ici, il y a un fan art, ça c'est Nesta, et de l'autre côté, il y a Cassian. Donc voilà, je l'ai acheté à Cause of Feu en néerlandais, voilà. Ici on a Nevernight et comme je vous l'ai dit, vous avez pu le constater, je l'ai eu en paperback en service presse, mais j'ai quand même acheté le hardback parce que magnifique ma chérie, regardez ça, il y a la carte derrière, c'est juste, il est trop beau, donc oui, je me devais, surtout que j'ai, oh, regardez, bref, surtout que j'ai adoré ce livre, donc voilà, j'étais obligée. Ici, on a deux petits livres qui sont super beaux aussi, c'est des livres jeunesse de Chris Colfer, c'est A Tale of Magic et A Tale of Witchcraft, donc qui sont traduits en français. Il me semble que c'est une histoire de conte, non, une histoire de magie et une histoire de sorcellerie, je crois, en français. Donc les hardbacks sont magnifiques. Excusez-moi. Voilà, ces magnifiques livres qui m'ont été encore une fois offerts par Damien. Encore merci Damien. Ici on a mes tomes de Une braise sous la cendre mais en anglais que j'ai acheté sur le site de Fairy Loot parce qu'ils ont fait ces magnifiques éditions avec les spray d'Ages comme ça. Toutes les couvertures sont les mêmes. Celui-là il est signé et c'est comme ça sur le hardback, c'est super beau. Donc voilà, je me suis acheté toute la saga. Et puis ici on a des journaux. Enfin, des journaux, bref, des carnets. Uprooted et Spinning Silver, qui sont donc Déracinés et La Fileuse d'Argent en français, que je viens de recevoir en français, regardez. Je viens de les recevoir de la part de J'ai lu, voilà, ils sont sortis en poche. Bon, Déraciné, il est sorti il y a longtemps, il est sorti en 2017, je crois. Et donc voilà, il était déjà sorti. Et ils viennent de sortir le deuxième, donc La Fileuse d'Argent de Naomi Novik. Voilà. Et donc pour les livres qui se trouvent dans mon petit coin lecture ici, là-haut on a la BD Bambi qui a été illustrée par Benjamin Lacombe que j'ai eu à Noël, qui est magnifique. On a ces petits livres aussi qui sont super beaux, donc The Wicked Deep, Winterwood de chez Earnshaw, les deux. Qui sont en anglais, et on a The Dark Tide, je les ai mis ensemble parce que c'est la lune et c'est beau. Et puis j'ai la saga Daughter of Smoke and Bone de Lainey Taylor, donc qui a écrit Le Faiseur de Rêves, donc ça en français ça s'appelle La Fille des Chimères, je crois, un truc avec chimères, enfin bref, c'est la deuxième saga de Lainey Taylor qui m'a été offert à Noël aussi, le coffret par Nelly, et il est trop beau, j'ai trop hâte de lire tout ça. Et derrière on a une BD sur des sorcières qui s'appelle Secret de sorcière, voilà. Et puis ici, on a encore des éditions de Hakotar. Parce que why not, j'en ai 15, oui, mais oui, voilà. C'est les couvertures que j'ai eues dans une box Illumicrate. Voilà, avec Ako ce feu aussi. Et elles sont trop belles. Et j'ai mis le petit diadème que j'avais acheté parce qu'il me fait penser à Favor. Et puis ici, j'ai quelques beaux livres. Donc on a mes versions illustrées des Étoiles de Nosaïd que Olivia m'a envoyé. On a cette version collector de Shadow and Bone aussi qui m'a été offerte, qui est magnifique. Faut trop que je lise Grisha, c'est un truc de fou. Ces livres aussi qui sont super beaux. Comment ça s'appelle en français, Morrigan Crow? Comment ça s'appelle? Nevermore? Nevermore? Oui, Nevermore. Voilà, c'est ça. J'ai enlevé la dust jacket, mais ils ont été traduits chez PKJ aussi. Les trois tomes de Nevermore qui sont super beaux sans la dust jacket en anglais. La superbe version collector de Six of Crows, pareil, faut que je lise Six of Crows absolument, qui m'a été offert par Charlotte, celle-là. Roi de Sand, c'était un gros coup de cœur, c'est un livre en français, celui-là. Enfin, qui a été traduit en français. Romance polyamoureuse MM, qui est juste trop cool, je vous le recommande. On a Circé, qu'il faut que je lise, qui est magnifique aussi, Le Chant des Ronces, l'édition collector que je vous ai montré tout à l'heure de Hakotar, là c'est juste la boîte. On a Crooked Kingdom aussi de Leigh Bardugo, donc la suite de Six of Crows qu'il faut que je lise, et Eve Hoffman de Tom Fletcher et Giovanna Fletcher qu'il faut trop que je lise aussi. Voilà. Et puis je passe très vite sur tout ceci aussi, donc on a ma collection de Stephen King que j'ai acheté, vous-même vous savez, parce que ça forme un arc-en-ciel. Quand j'ai vu ces éditions qui formaient un arc-en-ciel, il me les fallait, donc je les ai tous trouvés d'occasion et je les ai achetés, voilà. Et ils sont beaux, donc je suis contente. Ici on a quelques graphiques dont Le Cercle du Dragon T que j'ai adoré, quelques mangas, quelques trucs witchy, vous-même vous savez. Au niveau des mangas, ici ce premier étage c'est tout des mangas yaoi, des MM. Voilà, donc Blue Flag, la saga Blue Flag, c'est trop bien. C'est pas vraiment un MM
À proprement parler, c'est plus un mélange entre du MM et autre, mais c'est une saga qui est trop trop bien. Voilà, tous les Boys Love et mes figurines Animal Crossing aussi que j'ai acheté parce que je kiffe Animal Crossing. Voilà. Ici, on a encore un petit peu de MM avec cette saga qu'il faut trop que je lise, qui est un petit peu thriller in these words. Derrière, on a encore du Boys Love, une petite photo d'Achille parce que voilà, il faut. Oups, une petite pop bisounours et deux petites pop Pokémon parce que la vie tout entière qui m'ont été offertes d'ailleurs, donc encore merci. Du yaoi, du yuri, donc le yuri c'est le FF en fait du manga, donc avec deux filles, donc tout ça c'est du FF. Et tout le reste c'est du MF, de l'hétérocité. Toutes ces sagas c'est des sagas de romance MF aussi. Derrière on a quoi? Ah oui, derrière on a tous les Library Wars que j'aurais bien aimé. C'était un truc avec des bibliothèques et bref, c'était bien. Ici on a des mangas qui sont mal rangés, mais on a un peu de tout. En fait là c'est principalement du Boys Love, il y a quelques petits MF là au milieu. Ici c'est tout des tomes mélangés. Je suis désolée, c'est hyper mal rangé, mais c'est comme ça. Ici on a The Promised Neverland qu'il faut que je lise aussi. Le mari de mon frère, c'est un manga un petit peu tranche de vie aussi, MM, donc qui parle d'homosexualité et c'est trop cool. Derrière, on a d'autres mangas de chez Akata. Perfect World, ça parlait d'un couple MF et dont le jeune homme était en fauteuil roulant. On a la saga Reine d'Égypte qui est plus une saga fantasy, fantasy sur l'Égypte. Vous êtes ravis. BL Métamorphose, faut trop que je les lise, ils ont l'air trop cool. C'est une petite mémé et une petite jeune fille qui sont toutes les deux fans de romans, enfin de manga Boys Love, donc de manga MM. Et donc ils vont nouer une relation parce qu'elles aiment bien les mêmes mangas. Et ça a l'air trop chou. Et puis en dessous, toujours aussi bien rangé, c'est des graphiques. Je suis désolée, ça a dégringolé. Mais voilà, c'est à peu près tous les graphiques que j'ai. Toutes les BD et les boîtes de pop. Et puis le reste c'est ça, c'est sur ma table de nuit, j'ai tous les livres de Alice Oseman. Heartstopper en français et en anglais, faut que j'achète le tome 4 d'ailleurs. Et on a tous ces romans aussi à Alice Oseman qu'il faut vraiment que je lise. Mon petit hôtel dédié à Alice Oseman. Et donc voilà pour cette petite vidéo tout tour, bookshop tout tour. Ça vous a plu? J'espère que ça vous aura plu. Même si c'était chaotique, j'espère que ça vous aura plu. Et donc oui, on est tous d'accord, j'ai trop de livres. Et oui, je pourrais ouvrir ma propre bibliothèque personnelle si j'avais pas d'anxiété sociale, mais oui, je pourrais. Mais non. Donc voilà pour cette petite vidéo, merci d'avoir regardé jusque là. Si vous avez regardé cette vidéo jusqu'à la fin, et si vous voulez me laisser un petit commentaire pour me montrer votre soutien, mais que vous avez peut-être pas trop d'idées de quoi commenter, à part pas trop de livres, vous voyez, vous pouvez mettre dans les commentaires un petit emoji. On va mettre l'emoji livre, je mets toujours ça pour les book haul, mais pour les book shelf tour ça ira aussi. Vous savez la pile de livres, le petit emoji qui fait une petite pile de livres, voilà, mettez-moi ce petit emoji dans les commentaires. Sur ce, je vous laisse, je vous fais plein de gros bisous. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner si c'est pas encore fait. Et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye.